RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Le Kasaï est dans le grand sud du pays. Ces actes de violence basés sur le genre, ce viol utilisé comme arme de guerre, je voulais dire, et ce bafouement des droits à l'enfant sont bien sûr des actes ignobles que nous devons condamner et combattre avec la plus grande ardeur. Les conflits armés entretenus par des groupes armés comme le mouvement terroriste M23, soutenu par le Rwanda, continuent de provoquer des mouvements des populations, ainsi que d'importants dégâts sur les écosystèmes environnementaux. Pour rappel, les mouvements des populations sinistrées représentent plus de la moitié des besoins humanitaires de notre pays. À ce lot d'infortunes, il faut rajouter la pandémie de la COVID-19 survenue dans notre pays à partir de mars 2020. À l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, cette pandémie a sensiblement affecté la croissance économique de notre pays, en dépit de la remarquable résilience de notre économie nationale. Il faut évoquer dans les mêmes conditions les effets de la guerre en Ukraine et les effets de réchauffement climatique. Face à cette situation générale, la République démocratique du Congo demeure confrontée à une crise socio-humanitaire complexe qui ne peut laisser indifférent tout homme de bonne volonté, y compris tous les acteurs sociaux, économiques, culturels, toutes les institutions dans leur diversité, tous les partenaires internationaux invités ainsi à apporter soulagement aux victimes des crises humanitaires. Je voudrais ici assurer que l'ensemble de mon gouvernement est singulièrement préoccupé à relever les immenses défis de cette crise humanitaire et à rassurer le bien-être de notre population. À cet effet, je rappelle qu'au travers du ministère en charge des affaires sociales et des actions humanitaires et solidarité nationale, nous avons posé au cours de cette période plusieurs actions et interventions. Ces actions, trop nombreuses pour être énumérées ici, sont palpables et localisables. Elles attestent la volonté de la République d'œuvrer sans relâche pour non seulement assister nos compatriotes vulnérables et sinistrés, mais également les insérer dans les programmes de leur réinsertion sociale, leur épanouissement et leur développement local. C'est dans la suite de ces efforts et réformes tendant à renforcer et à coordonner l'action humanitaire de notre pays, qu'en novembre 2021, nous avions pris le décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Cet établissement public est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière. Une décision qui rentrait dans le droit fil de la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par l'émergence et la mise en œuvre de cette structure, notre pays atteste aujourd'hui son attachement aux valeurs universelles de solidarité et d'assistance humanitaire,
telle qu'affirmée par les conventions internationales et notre Constitution. Aussi, pour faire face à l'ampleur de la crise humanitaire aggravée par l'actuelle guerre d'agression, soutenue par l'armée rwandaise, le chef de l'État a lancé dans son message à la nation, le 3 novembre dernier, un appel urgent à l'élan de solidarité nationale en faveur de tous nos compatriotes agressés, déplacés de force, démunis de tout et pire, massacrés simplement du fait qu'ils revendiquent leur droit fondamental à la vie, à l'identité et à la terre congolaise. Cette passion des pères de la nation et de son gouvernement pour ses compatriotes en situation de vulnérabilité ne pourrait devenir une réalité que si chacun s'approprie ces mots puissants de solidarité lancés justement par le père de notre nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers compatriotes, chers partenaires et hommes de bonne volonté, nous devons agir ensemble et de toute urgence. Et pour y arriver, nous devons suivre ce pourquoi nous avons été appelés. C'est pourquoi nous saisissons ce moment pour lancer cette campagne par ce téléthon, dans le but d'interpeller et d'appeler tous les compatriotes, autorités publiques, ministres, députés et sénateurs, gouverneurs, mandataires publics, hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, cadres, avocats, médecins, architectes, pasteurs, prêtres, artistes, ingénieurs, corps de métier, commençants, jeunes entrepreneurs congolais, ainsi que la diaspora, et j'en passe. À demeurer dans l'esprit de la solidarité et d'entraide, je voulais dire, qui nous caractérise comme un peuple hospitalier et généreux. Il s'agit pour nous de témoigner tout notre amour, toute notre solidarité, notre compassion, mais surtout notre fraternité envers nos compatriotes vulnérables. Mutualisons donc nos efforts pour cette noble cause. Toute contribution en espèces ou en nature, au regard de vos moyens et par élan d'humanité et de patriotisme, est la bienvenue au travers des modalités et des procédures qui vous seront communiquées pendant ce programme. Par souci de coordination et de solidarité nationale, amorcée par les autres ministères et institutions, doivent être orientés vers la Caisse nationale de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Je veux parler ici déjà des contributions qui avaient été données lorsque nous avions eu l'éruption volcanique du Nyiragongo, ou tout comme l'élan patriotique qui avait déjà commencé avec certaines entreprises du portefeuille, notamment celles dans le domaine des transports, qui pourraient être réorientées vers cette caisse de solidarité. En lançant aujourd'hui cette campagne de solidarité nationale en mode téléthon, j'annonce que le gouvernement avait déjà posé le geste symbolique avec un chèque de 20 milliards de francs congolais
par l'instruction transmise au ministère du Budget et celui des Finances. Et tout à l'heure, nous allons remettre officiellement ce chèque. Et dans la même lancée, tous les membres du gouvernement sont invités, eux aussi, à poser le beau et symbolique geste humanitaire. Ils prendront tout à l'heure aussi la responsabilité d'annoncer leurs contributions individuelles. Ça peut être fait aussi par un chèque commun. Tous les compatriotes, chacun à sa guise, fera de même pour soutenir durant 2 mois cette campagne exceptionnelle. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, les femmes et les hommes de bonne volonté, ici, je m'adresse à ceux qui sont avec nous, mais au travers de l'écran, à tous nos compatriotes et personnes de bonne volonté, ici en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs dans le monde. Apportons notre soutien en appui aux multiples efforts du gouvernement, mais aussi à cet appel solennel lancé par le président de la République, pour assister les sinistrés et vulnérables se trouvant sur toute l'étendue de notre pays. C'est à ce prix que nous réaliserons le rêve de nos héros, consistant à bâtir un pays solidaire, un pays beau, un pays plein d'amour au cœur de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et je vous remercie. Merci. Merci. Merci, Excellence. Merci. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'ailleurs d'annoncer tout à l'heure que vous avez... insensible à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, relayé par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. La détresse que connaissent nos frères et sœurs loin de la chaleur de leur toit familial, en errance un peu partout et à la merci de l'incertitude, ne peut laisser personne indifférent. Quelqu'un a dit: les vrais amis sont comme des étoiles. Vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. C'est le moment pour chacun d'entre nous d'exprimer notre amour, de le démontrer de la meilleure des manières, en apportant nos contributions à cette caisse de solidarité nationale. Plus nous serons nombreux à poser le bon geste, même petit soit-il, plus grand sera l'impact de notre solidarité sur le terrain. Chacun de ces gestes sera d'un grand réconfort pour nos compatriotes touchés par diverses crises à travers le pays, qu'ils soient à Kwamout, à Kishishe ou ailleurs, en brousse ou pour les plus chanceux, dans des sites de déplacés exposés à des intempéries et des maladies diverses. En tant que fille de ce grand et beau pays, mère, première dame et présidente de la Fondation DNT, je viens répondre de manière modeste à l'appel à la solidarité par ce don à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Ma fondation reste également disponible pour assister, comme d'habitude, dans les efforts sur terrain à la mesure de nos moyens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère, nous dit la parole de Dieu.
Faisons en sorte de l'appliquer aujourd'hui. Demain serait peut-être trop tard. N'oublions pas, chers compatriotes, qu'ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, maman, très respectueusement. Par l'assistance, que nous invitons à suivre le discours des circonstances de Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la SADC. Son Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale et Président du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, honorables parlementaires, membres du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une joie et un honneur tout particulier que je me fais l'agréable devoir de prendre la parole ce jour dans le cadre de l'ouverture de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe que mon pays a l'honneur d'abriter. À ce propos, j'aimerais avant toute chose saisir cette occasion afin de remercier pour le choix, pour le choix porté sur la ville de Kinshasa pour la tenue de ces assises. Et j'en profite également pour vous souhaiter la cordiale bienvenue en République démocratique du Congo. Honorables parlementaires, distingués invités, comme vous le savez, le Forum parlementaire de la SADC a pour vocation de concourir et de renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers les parlements respectifs des États parties de notre communauté. Loin d'être anodine, cette particularité qu'arbore le Forum parlementaire de la SADC demeure d'être soulignée dans le sens où elle se veut, de manière philosophique, une émanation des populations de la région par le truchement des représentants que vous êtes, honorables parlementaires, des parlements des États membres de notre communauté, universellement reconnus comme lieu d'expression et de formulation par excellence de la volonté de nos peuples. C'est pourquoi j'entends, en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent
comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. À plus d'une occasion, ce soutien nous a été témoigné et je souhaite qu'à l'issue du dit forum, celui-ci soit renouvelé par l'Assemblée, mais qu'il soit également assorti de réelles pistes de solutions qui pourront prévenir l'apparition de ce genre de conflit ailleurs dans notre sous-région et sur tout le continent, afin de rendre effective notre volonté de faire taire les armes au profit des initiatives de développement pour le bien-être de nos populations. Enfin, je ne pourrais clore mon propos de ce jour sans réitérer au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre mes sincères remerciements à tous les parlementaires présents ici à Kinshasa pour le compte de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Soyez rassurés, honorables parlementaires, que votre participation aux dites assises n'est aucunement vaine, mais qu'elle contribue à la réalisation de cet idéal d'intégration et de coopération porté par nos pères fondateurs à travers notamment l'instauration de valeurs et de pratiques démocratiques communes devant aboutir à l'avènement d'une région de l'Afrique australe plus solidaire et orientée vers la paix et le bien-être collectif des peuples. Par ces mots, je vous souhaite de fructueux débats. Que vive la communauté de développement de l'Afrique australe. Que vive le Forum parlementaire de la SADC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et la SADC. Je vous remercie. Avec
Après ce brillant discours, nous demandons à l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du président de la République avec vos applaudissements. L'ouverture de cette 52e assemblée plénière du forum Paris. Il sera accompagné par le président des deux chambres, Robert Laillé, ainsi que le président des chambres de parlement, membre du forum. Ennemi. Kagame a fait ça, qui m'a pronomité. Vous avez l'accès qui a mis le monde ici. C'est pas suffisant. Tout est ici, Félix. Quand la frontière entre Bissou et Rwanda. Parce qu'elle dit que Kagame est notre ennemi. Mais entre nous et notre ennemi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Bissou ambassade à Rwanda, malgré que Bissou ambassade à Rwanda, fonctionnera-t-il? Bah, contrat, accord économique. Gouvernement a décidé de suspendre. Pourquoi? Pourquoi suspendre? Bah, annuler. En termes de signes palpables, rien ne nous indique que Félix a se séparé de Kagame. Rien. Ils sont toujours ensemble. Rien ne nous indique. Oh, maman. Ah, oh, y'a Bouaki, on a fait qu'on a Bouaki. Bamboua, quel est Maloba? Ne suffit pas. Je vous dis que Kagame Azali, président Félix Yambi, qui est le président Nyos. Au moment de la conférence, Félix a pressé le boko, moi aussi, Kagame a pressé le boko, Bassimani a le boko, Vanina quitte Bassimani a le boko, maman. Alliance à Makas Negwane, au Beba na Maloba. Et qui vous dit pas que Maloba n'est à jeter? Tout ça, semble que tout soit là. Réagir. Oh! Maman, en politique, tout est possible. Donc, au moment où il y a Azako de Srebiso, Fayoulou, Kabila, papa. Mais, bino, comme si Kabila lelo, Kabila est à l'aise, lelo, le corona, bino, il dépasse. Parce que vous ne gérez pas plus que Kabila. Vous n'avez pas fait mieux que Kabila. Vous le voyez, quand on va cacher à Anne, cacher à Anne, lelo, et tout, on dit, on a battu la carte. Tout ça qui n'a pas solo, semaine passée, on a sango. Wagi sango scandale ya plus de 100 millions de dollars na Katanga. Na entreprise minière kuna na Katanga. Régime na bino. Boko sala samba ya kokanga miibi botie ba ona prison de semaine bobimisi bango. Donc lelo ba kongole ba kolobome na bino na Kabila. Différence ezali wapi? D'ailleurs ceux qui batiquent bino temps, vous allez faire même pire que Kabila en termes ya kimoibi en falanga. Donc ko biso tena Kabila na lié mon côté. Toza na Kabila na lien mon côté. Bloc patriotique, je n'ai pas une méthode de clouer na ebiango. Ça, c'est l'IDPS. Alors, bien sûr, lingo kosa likambo. Répétez en plusieurs fois. Babi, un maçon, j'ai répété plusieurs fois, fini par prendre la couleur de la vérité. Le kouta, on va répéter, mingé, zoaka, couleur, et le kouda li solo. Yango moni, bloc patriotique, to salaka yango, pour na kosa ba marche, pour nous avoir les formes à seni. Pourquoi ça la plateforme mon côté de l'église catholique? Pourquoi ça la plateforme mon côté na église SCC? Tant de Saranaka IDPS na église catholique, tout ça la plateforme mon côté na bango 2016. Au Jamaïque, Kabunda le bac a été église catholique avec un 50% de militants, mais surtout avec un 50% de militants. Tout ça classe bloc mon côté na bango. Non. Alors, pourquoi Ndeko Diabanza Azali Koloba été église catholique et bana discours mon contradictoire? Non. Bravo, na baye katoliko. Nana respecta kabango. Pambate, mukula lomingo oyoboye. Mwini begize de reve nyosu. Bazaki na kate. Mboke zoke da mbegize de reve babi bako sambela. Oui, to sambele zayi malamu. Parce que la dimension spirituelle est importante. Mais fuko bi mananzela. Soko mwini lelo ba mindele ba bandiko kriye. Ko kondane. Malgré que le agression, le Rwanda a retiré soutien à eux. Parce que nous, on veut pousser les Occidentaux de parler de l'agression. Or que tous les pays occidentaux ne parlent pas encore de l'agression. En tout cas, dans la relation internationale, chaque mot a un sens. Il y a des conséquences. Il faut qu'on ramène les Occidentaux
balobake le Congo est agressé et non au Rwanda retirer soutien à eux. Ça n'a pas de sens. Et c'est le peuple qui va faire la différence. Bravo aux Congolais de la diaspora là où ils sont, partout où ils sont. Bravo na bana Kasai, bana Équateur, bana Bandundu, ba Congo, bana Sankuru, Katanga, Maniema, non Kivu Sud, Kivu, bana ya province orientale, biso banso Congo ndenge président Elie Alobaga Congo ikolobo moko. Ndenge toko se mobiliser. Attention, qu'on décourage les Congolais. Parce que ce que le but de les Congolais, ce qui va marcher pour nous soutenir l'armée, vous marchez pour Félix Tshisekedi. Les Congolais vont se décourager. Les Congolais n'ont pas envie de marcher pour Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi m'a tiré bango naba les camas. Parce que Lukaki qui vous conduit, Nandenge y a bango 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 et il a signé n'importe quoi. Nous tout bas, personne qui a signé quand abo, bah tiens mon conduit. Félix avait gamme les stabilise après que Félix après que Kabila allait donner le pouvoir. Tant que tu marches dans l'église catholique, lobby. Alors, bien, mobilisation est faible. Non, papa. Non, l'image, n'a tindé la kyo, mamelo, n'a tindé la kyo, l'image. Yo, moni, tu n'as mis wana na tchangu. Obi, ka babé, t'aïma, ça, c'est na tchangu. Dimanche. Babé, tout l'information, faillou la ko marche wapi. Tant babé, que faillou la ko marche na tchangu. Bah tu n'as pas policier na tchangu. Bah sécurisé, tout bairo. Tout bani ko marche, malamu. Tellement fou le temps où il faut loyer, fou le terrible. Oh, Bolongona Boulevard. On nous a contraints à Kolongona Boulevard, Toko Tanaru Temokali. Le président Fayou a dit c'est pour les enfants du pays, du Congo. C'est pour Nabana Bounagana, Yakiwanja, Yaruchura, Magabo. Il n'y a pas de problème. La perception boulevard, et si Basango, il n'y a pas de problème. Toko Takana Mokali, c'est comme ça. Mais malgré Toko Nazira Mokali, Kuna, Batubazaki, tellement belé que. Ukolongwa boy peut-être si 800 mètres il n'y a que les gens. Mais dans la route mon kaliwana. Donc bah tu vas déborder. Mais c'est quoi bah tu vas te donc comme il la police sans aucune raison a nommé ta massasse parce que Fayou l'a zanakati. Webe te baloba qui était Tchango et Zalizone rouge. Bah pensa qui mon président Li Martin Fayou qu'on a le 13 novembre. Ils ont tabassé déjà. Il y en a encore des gens des militaires de la Mouka dans les hôpitaux. Jusqu'à aujourd'hui nous sommes là les 7. Les couleurs à Massas, c'est la bête qui m'a colopé le 13 novembre. Mais lobby, dimanche, avec marche à ba chrétien, mais pourquoi les bêtes de Fayou à cause là, ils ont fait tout pour empêcher marche. Voilà. La foule était une foule nombreuse. Des milliers de gens à la Tchango. Donc, bravo la population, Bayaki, mon collègue Lomingo, ba maman, bilingue, au Bayako marché. Alors, mobilisation sans aucun problème. Les Congolais étaient partout. Vous avez vu à Goma, papa. Il dépasse. Vous savez la contre-sens, il y a marche, il y a histoire. L'histoire est à marche. Les Congolais veulent se libérer. Il dépasse, c'est au Kali qui l'a binoté parce que tu es dans 13 mois, vous avez au Kenda. Nous sommes sortis pour la nation. Nous sommes en 2004, on était sortis pour la nation. On n'était pas sortis pour Kabila. Armée à Kabila, t'es. Mobutu à le bac armé zairoise Mobutu en doté la motema Mobutu à Kenda est-ce qu'il y a une armée Kabila Kei terre est-ce qu'il y a une armée oh Yosef on a mandé Funai Bakei Bakei une armée Chilombo dans 12 mois à Okenda bon matin bon kitabo ça va mener vite au Salawana na Bila Oyo il faut conclure Chilombo Okenda il faut conclure mon Lamboka la Congolais Babo Sanité te Félix a trahi Bango na 2018 ils ont battu à coup souci à trahison à Félix Tshisekedi. Déception. Comment ça a été mal au papa cardinal Mbongo plutôt cardinal Mosengo. Personnel, papa Mosengo. Papa Mosengo a terminé à l'objet Félix Tshisekedi. Fallait qu'il félicite le vainqueur Martin Fayulu. On est au Kenya, au Sénégal, au Congo, ils ont été dans Kati. Tala là où le pays est aujourd'hui. Arrêtez de parler de Kabila. Moto moto au banque, ça a combattu Kabila. Fayulu a Kabila. Et Pinga a zana Kabila. Mouzito a zana Kabila. Ça ne fait personne. Bah, ce qui dépense, c'est que vous avez dit que grâce à Kabila. Boko vous avez dit que vous avez dit que grâce à Kabila. Vous avez dit Kabila ma boko bino vous avez trahi l'éternel secret de Mounumba. Parce que il y a un pouvoir qui est mohibité. Vérité en Goyouana. Donc, le catholique va se contredire. Le catholique va se dire un, Babi Félix, c'est que vous avez dit que vous avez dit que communauté de pays de l'Est. Vous avez dit pays Afrique centrale. Personne n'a vu ça dans la SADEC, et dans la CIRGEL. Au même vu ça dans l'EAC pour la Nini.
kaka pona ko sepelisa ba parrain na ye ba to memaki na bokonzi ba stabiliser akoma mokonzi nda memiso na EAC. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dépasse beaucoup beau la vérité, mais tu connais la vérité pour toi, mon ami, qui soit la Bible vérité, bobo tu as baigné. Mais Kabound ne parle pas qu'il a bien la vérité. Kabound a le bas qui bino boza ba tribaliste. Kabound est un Kassaïen qui dit qu'il dépasse le tribalisme. Yo, je poste tes poignets. C'est ce qu'elle a dit à Banza. Oui, bien. La boye que le bas c'est qu'elle a aboyé. Oui, bien. Kabunda lobi, il dépasse cette diabolisation. Mukwege. Depuis quand docteur Mukwege a commis Burundi, bino il dépasse. Au bout de ça, la vidéo est à l'écouta. Depuis quand Fayulu a commis Camerounais. Depuis quand Mobutu Azala est africain. Voilà, merci beaucoup, Prince Epengue. En conclusion, donc, dans tout ça, Prince Epengue, responsabilité à IOP, Prince Epengue, à Linini, dans tout ça. Pour le blanc peuple. Oh maman, descendez à Lumumba est le premier avec mon cousin Mboka Nabi depuis 2019. Nani bakamaki na devant ambassade à Rwanda. Ezaki ye? Ezaki Jabanza? Ezaki mwana Félix? Ezaki Pengi ni bakangaki omoni mukulu. Yo ezaki wana devant ambassade à Rwanda. Félix ça sera politique. Tango bakangi ngai Félix. Félix se dirige comme un membre de l'île de presse actif. Nani oba kaki devant ambassade à Rwanda, ezake pengi. Tango na ko senga ba benga na ambassade Rwanda. Félix atindi ba police na ba kanginga ba tinga ba menote. Mama ba tinga ba kaka lokola moyibi. Ba to ba mbonga 100 jours ba tche ba kaka tinga voilà, ba tinga kaka. Kola ko senga benga na ambassade à Rwanda. Si mana wako ayiko benga na ete. Na lobi bo église catholique abi alongo abiso na EAC. Ça c'est premier one. Mm. Obi ke EAC wana mama. So yo et vous en avez des conséquences, hein, Kobima Yango? Pas de conséquences. Il y a l'article 4, maman. Article 4, il y a EAC, le Biboy. Et la communauté des États d'Afrique de l'Est peut céder, acquérir et gérer des terres des pays membres. Communauté, on a une division de EAC, pas ces pays, c'est Ouganda, c'est Rwanda, c'est Kenya. Mais la communauté, on a le quoi, c'est la 4. Communauté, on a eu que céder ma belle Nabiso. Et qu'on a eu que soit ma belle Nabiso, acquérir. Céder et gérer nos terres. Et moi, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de signer un accord avec la communauté de l'Est. Tant que Martin Fayulu a dit Félix, Longola Mboka a dit la communauté de l'Est. Babi Fayulu a né. Le loi église catholique a signé un accord, non? A l'obac, tu as proposé. Tu proposes à qui bango? Félix, c'est notre vocation trafic central d'abord. Longola a dit la pays de l'Est. Ces gens-là nous ont maintenus dans un état de guerre permanent pour pas exploiter Kabiso parce que nous ne produisons quoi? Comme ça, Kenya, ils allaient industrialiser et même les produits manufacturiers dans le Congo. Nous, on produit quoi, maman? Pendant qu'on est en guerre. L'Église catholique a lobby, a fait ce qu'elle dit. Toboy va forcer le pays de l'Est. Amou Ougandaise, on est côté 1-23 dans Bounagana. Amou Ougandaise, il y a des awa. Et puis, il y a lobby, le gouvernement Congo peut être en Mbongo pour financer l'armée à Ouganda. On est quoi, on ne pas la awa. On a président EAC Ndayishimiye. Moi, je suis factuel. Je ne suis pas dans le djalélo. Je ne suis pas dans le populisme. Le président EAC Ndayishimiye, président Ouganda, alors bilini. Alors, bilini, ma congolais, il y a EAC Tokoyana Congo. Toko bimaka mokolo, oh, l'armée congolaise est comme forte. Toko bimaka mokolo, presse congolaise est comme forte. Yoka président EAC, bah, yé, ah, on n'est pas dans le bisson, gambako, c'est-à-dire que, bah, ça a même deux siècles. Tant que l'armée congolaise ne sera pas forte. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la question je pose à l'île de presse. Ça fait 5 mois que Bounagan est occupé. Est-ce que vous voyez ma cambo kadama? Voilà, merci beaucoup, Prince Epengue. Occupé par Fayulu. Au conseil de la Kabila, au conseil de la Prince Epengue. Je ne pas que toi même un diable. Ok. Dis-moi, quelle est la solution que l'île de Pesse préconise pour te libérer Mboka Nabiso? Merci, Prince Epengue. On doit terminer. Rien s'il vous plaît. Merci. Bounagan occupé. Il y a Banda, vous avez la parole. Il est déplacé. Voilà, merci, Prince Epengue. L'île de Pesse, vous confessez. Oh. Bon dévoiler bah Diaba, vous avez la parole. Félix c'est à l'obligation de confesser de nous dire. Bah si nakani naka gamme. OK. Ah l'obligation moi wana. Sinon Mbondo et Kolandaye. Tu mets la gamme Mbondo na Félix hein. Il peut pas me la voir. Tu mets la gamme Mbondo Diabanza boy. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prince Epengue. Afrika Mbondo ça boyebi. S'il vous plaît, merci. Aligni na lobali susuté. Pour nécessairement bah contre vérité naïe. Et c'est ce qu'il veut.
mais toutefois au moins de 14 minutes à lobby la 7 minutes n'a pas balayé dans la nuance. Allons-y parce qu'on doit. Et je comprends quelque part que autour d'une question principale et ça là qui n'impacte marche ouana au tali l'essentiel y a résumé à marche à pèse on a chang tant à bando bête à marche et ça qui n'impacte focalisant on a chang donc bah image y a timbelio y a chang. Mais quand vous parlez de la marche, vous parlez du Congo tout entier. Et l'Église catholique, lorsque a lancé marche, c'est pour le Congo. Il y a déjà là-bas image à Tindela Kyo. Non seulement à Tchango. Angaza à Nango. Ya. Je ne suis pas l'organisateur, monsieur. Ah, mais voilà. Je ne suis pas l'organisateur. Tu n'es pas l'organisateur. Je vous dis, là où j'ai été. Mais il y a une marche à Goma avec le monde. Je ne vous ai pas dérangé, mon frère. Il y en a où ça agit à Kagame. Ah, mon frère. Il y en a où ça agit à Kagame. Je ne vous ai pas dérangé. Prince s'il vous plaît. Laisse-moi terminer, mon frère. La catholique, bah, c'est je passe les Prince Pengue, s'il vous plaît. La catholique, vous avez l'avance, Prince. Parce que moi, je suis Pengue. Papa, Pengue, s'il vous plaît. Allons-y, Bia Baza, allons-y. Prince Kimia, Kimia. Omoni impact à marche. Nenge Tunisie. Kabunda, son époque, a dit Topé sera 50-50. Et la vérité, mon ami. Et la vérité, mon ami, n'a sujet d'intérêt national, mais mobilisation au rabais pour la contradiction, l'ambiguïté. Il y a un discours là-bas. Tous à la sincère dans l'action, les Congolais vont comprendre eux, tout ce que nous défendons le Congo. Tant que nous avons résumé Bitumbo, on a président Félix, c'est une erreur. Pour même Bitumbo, et le président Mobutu, et Bonissi, président Mouzé, et Sali que Kabila a développé le Congo pendant 18 ans, et Zala quitté. Azongeli accord secret, na yebisi awa. Pour bisoto attaquer le président Kabila na makamwetala qui accord, et Zapo. Président Kamere, Oazala qui président Assemblée nationale, Yemuta dénonça qui, et ça a coûté sa tête. Toujours bête à ma camboalerte, Yemuta l'obaki qui est l'accord est secret, bisoté. Autant que Jimmy Mukendi na prison, je ne comprends pas. Quand on est en train de faire la politique, il faut tout y a qu'on a à propos diffamatoire dans les médias pour y avoir commis au-dessus de la loi. Autant que Kabundi na boloko, tant où y a lobby na bato, que Mbongo et Bimaka ou ba miye kenaka. Pas sengi ba preuve, où est le mal? Liberté pour vous. Tant où y a moutoua senga ki, y a moutoua boya ki résidence surveillée, apona ki prison makala. C'est son choix. Non, c'est faux. Du début, ba ebi siye, résidence surveillée, il a refusé pour la prison. O longo ana, autant que ba militant ya la mouka. Bo bandi ko beta batu. Na masina, que je peux même vous donner de preuves. Il y a quelqu'un qui avait faux. Mon t-shirt à moi. Alati et Longinanga. La marche. T'es marche t'es. A quel machine à côté bande bonaie. Awa et Longi effigie à président Tshisekedi. Il a été tabassé. Totalement faux. Touché et Tinalissou. Totalement faux. Tout simplement pour Alati effigie à président Tshisekedi. Totalement faux. N'a un signe à UDPS. Il a été tabassé. Donc je me dis quelque part, toujours ça la politique. Et non ça la politique, tu vas ça la part de choses. Sauf commettre infraction, même si tu es Diabanza, même si tu es Pengue, place Noeza, Boloko. On l'a bien à Yomoko. Il y aura les sous-contradictions. Bazoya union sacrée pour protection. Babenga qui m'attend en pogno. Kota union sacrée pour protéger. Mais Nandimite que Babenga qui m'attend en pogno pour avoir un million. Ba million, il en a. Ozolo ba très bien, l'isola protection, mon lobby est sous sous. Soit tu as besoin de bon, mais tu as une union sacrée. Autour de la question bien, Kabila a un bon hôtel. Kabila a un bon hôtel. Je ne sais pas si à la question il a su répondre. Ndeko Nangaï, Ndenge Morona Anthony Blinken, Ndenge Morona Ndeko Aoucholo Bawana, député européen, Na Epenge, ba reconnaître que le complot est international. Et la reconnaissance na bango ya complot est international, il faut aussi approche et kende na méthode et que ça que la communauté internationale est tika konyoko la biso. Na bakisi li sous film à Thierry Michel. O ezo la ki sa que nous sommes victimes de nos richesses. Et pour tout résoudre problème approche na biso felo na ba prisme ya ba parti et kende na logique ko comprendre que nos richesses c'est notre problème. Car la tête on a to bunda guerre à mai. Parce que nous le savons tous que le Tchad avait besoin de l'eau. Déplacement fleuve Nabiso pour Bazouanda Mbamaï. Et nous le savons encore. Guerre pour un réchauffement climatique
à cause de notre forêt, tokokyo bundango lisusu. Il faut de konanga epenge, abanda ko comprendre banjeu, alongwa na prisme partisan. Po ndenge moko ye même le lot, Mukwege azo cité, à cause de la biseau qui est toujours diabolisé, à aucune réunion de l'UDPS, toujours à Mukwege comme une menace. Jamais. Mais Mukwege vient de reconnaître que, pas si naeza, na tweet nae que, va continuer à cofinancer Rwanda pendant qu'il est en train de semer la désolation. Il y a même pas ça qu'un bon roi réparé, mais va repérer ça sous Rwanda. Donc, on va continuer à Koboma pour y a réparer. A où tu as solo, Bissona Kabila, la différence est athée. 15 milliards 800, l'espace il y a 3 ans. Le long de Torobet, il y a au triple budget. De 4 milliards à 15 milliards 800. Ce n'est pas facile. Et dans le contexte, il y a crise mondiale. A Betty Lissolo, il y a un scandale à détournement. Mon frère, mais faut se pélater. Le narratif a changé. À l'époque de Kabila, on parlait Miibi. Bazalara Miibi. Maintenant, tu as le Baza Miibi. Il n'y avait aucune institution capable réellement de dénoncer preuve à l'appui qui Miibi wana. Mais les longs anaïs, nous avons la possibilité, sans peur d'être poursuivis, que tant que tu as le Baza, Moutoutel, Tony Moua Baba soupçonna qui est IGF. Moutoutel, ba soupçonna qui est IGF. Moutoutel, ba soupçonna qui est IGF. Mouni Bakonga, ba sous ses alliés. Tant que tu as bête à l'isola, ma tata en pognon, nous ne divagons pas, nous ne parlons pas en l'air. C'est une enquête de l'IGF Moutela qui s'est mis de 285 millions. Oh, bah, Pesa qui n'a projet Bukanga Lonzo, seulement 80 millions a été dépensé et le 205 millions est bota, on est bota Massango et bota Université. Donc, je crois quelque part de tout ça, les gens font comprendre qu'il y a deux avancées significatives. Mais nous déplorons réellement dynamisme et la justice Nabiso pour accompagner réellement la vision du chef de l'État allant. Partant du principe de l'indépendance de la justice. Bangonde bazo sala musala na lolenge longo banite, jusque là la corruption nanwe longwe na mode opératoire na bisoté ba congolais. Mais il y a des avancées significatives. Alors bisou li solo musu soir, mindele balo agression. Mais moto ya mondele wana lobi déjà li solo agression hein. So landi eloko tieli bisou. A beti déjà li solo agression. Il y a des avancées. Et des avancées, c'est une stratégie planifiée. Oh, tu as en place pour mes mabis au place ou anna. Mais tu as peine à besoin d'apport, il y a épingé. Tu as besoin d'apport, il y a un découfaillou. Pour le contexte, tu as besoin d'apport à l'élection. Ça, c'est évident. Mais avant tu as besoin de l'élection, tu as besoin de la non-Congo. Pour ceux qui congolais, tu as besoin d'yango. Mais l'élection, on peut moyen tout ça là, et zalité. Na lobby, tu que baï catholique, va zali importante. Mais na lobby, discours, na bangweza, ambigu. Et de cette ambigu, Baron Moropé Bazo constater que mobilisation derrière eux est comme poser moi problème. Il faut nécessairement sincérité caractériser Bissot. Projet, programme local, la gratuité de l'enseignement, c'était l'intérêt du Congo tout entier. Et de cet intérêt du Congo, nous avons remarqué comment est-ce que l'Église catholique a tergiversé. Bana, naba chrétien, oh Bazo, on a que, oh, Bissot, toi qui existe, tu as un mabonza. Et ils vivent mieux. Mais biso a lelo balongo le biso pasimoko ba para ba fouta raté. Mais l'église le refuse pourquoi? Yo quand tu vois les ambiguïtés. Quand je parle de l'ambiguïté, non ta la na 4 ans yo combien de discours vous avez tenus? Comme le président Martin Fayulu, 4 à 5 discours. A qu'on nomme ba sodaté, président Tshisekedi. On nenge zawana, so ka za mobala ka banana ka bila, ba ka bwana. Discours comme une difficulté. Nenge zawana, aza muto akagame, vala kagame, lelo yena kagame bazo potana. Mais yo na kagame même discours. C'est ce que j'ai dit. Abenga présent Tshisekedi placebo. Azali na meeting wana. Na mona kelongi nae. Abenga présent Tshisekedi placebo. Mais placebo wana une année seulement après Abenga dictateur. Voilà. Hier mon le président Martin Fayulu, Abenga lissousou dictateur. Je me suis dit de placebo à dictateur. Et ça l'a mis ndengenin. C'est là où j'ai dit le discours est ambigu. L'homme politique face à la force, il y a Tshisekedi wa Mulumbo ya Zobeta Peli Solo, et ça en premier lieu, la constance. Dia Banza, dans tout ça, la responsabilité des Congolais à l'Iwapi, parce qu'à chaque fois, tout le monde a dit Kagame, 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 il y a une responsabilité. C'est pas là qu'il y a un peu de temps à l'Iwapi. Que pour l'extérieur, il y a l'ennemi intérieur face à Ani, Azala. Et de cet ennemi intérieur, il y a de ceux-là aussi qui sont ignorants. Pour des fois, nous, politiques, nous ne prenons pas nos responsabilités en main. Il y a aussi cet élément où il faut comprendre la prise, mais à la partie, nous permettre de total le problème d'une manière
global. Ce qui les lobbies surtout bas congolais, totali le problème d'une manière globale avec la responsabilité de comprendre que bah richesse n'a biso mutezonyo qu'on a biso le problème c'est pas politique congolais peut bah la dialogue franc le lengue président Burundi à l'obaki hein. Tous à la sincère la démarche. Dialogue peut à la France. C'est moi à la Ndeko l'ancien président Abdoulaye Wade, le président l'ancien président sénégalais Awapé Abetarali Solowana. Il y a un problème de la classe politique. Et je ne cesse de le dire, je l'ai dit aussi à mon frère, nous devons être cette classe politique qui doit marquer le Congo d'une manière positive. Dans l'analogie qui a Rokanissa, tout est cop. Tout est cop. Donc comme la logique, il faut comprendre que et là qu'on nous fait d'ordre, il y a intérêt communautaire, faut tout s'impliquer. Mais la chose la plus importante dans le il faut prison, responsabilité, moi je n'essaierai de le dire, il faut mécanisme et justice na biso et la bien réfléchi pour balongwa na cop babanda ko kanga panaluka makambo pena po bazwa solution na kati ya mboka moto azwi mbongo ke ya salaire makambo ya lingi ke réellement dans moto ana lingi mboka te ne éviter malheureusement ba millionnaire wana moto bazo koma ba leader politique so ko bandio bengisa na justice abandi ko loba acharnement o guerre est possible ngai na sambate c'est ce qui est en train de nous étonner. Donc, il faut nécessairement le Congolais. Tout le monde a envoyé la délégation à Kenya. Je crois. La délégation qui a détourné l'argent. N'a épargné Batoï de Peste. Différence n'est pas la partie de son. Babylon politique. C'est le secrétariat. C'est le régime, mais je loue toujours. Dans le secrétariat technique, il n'y a pas de membres de. Il n'y a pas de Congolais. Non. Aden, il y a des tournées. Les secrétariats techniques. Et dans les secrétariats techniques, il n'y a pas de Congolais. Je te demande réellement de faire ta petite enquête sur le dossier en question. Tu seras plus éclairé. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.